nous sommes très heureux de participer à ces journées, à ces deux journées ici à la Philharmonie, en compagnie de d'autres collègues que vous allez voir après nous. Comme vous l'avez compris, ici on est sur d'accordéon diatonique, et on va commencer avec de la musique traditionnelle. Là on a joué une scottish, bien de chez nous, puisqu'on vient de la Corrèze. Et on va continuer encore avec un morceau bien de chez nous, c'est une bourrée.
une ronde du Quercy qui s'appelle Amazon. Thank you.
puis un petit tour en Italie avec une tarentelle. Thank you.
Ça pose pas de problème. Pas de problème. Et diffusé sur YouTube, je vous donnerai après. Ah oui, le lien. Le lien. Merci. Par contre, il faudra quitter la montre. D'accord. Pas rayer la carrosserie. Passe-la-là, encore, avance, voilà. Tac. Là, les boutons, ils sont ici.
Alors, si tu appuies sur un bouton et tu ouvres le son, voilà, c'est bon, tu joues. Vas-y. Sinon, pourrais-tu faire en appuyant sur les boutons. Si tu peux t'entraîner un peu avant de monter sur scène. Oui. Donc là, vous êtes à la manufacture d'accordéon Mogin à Tulle, en Corrèze. Donc on va, pas nous, mais la maison Mogin, depuis 1919 à Tulle, va concevoir, fabriquer et diffuser des accordéons. Donc aussi bien des accordéons chromatiques, comme celui-ci, ou des accordéons diatoniques, comme celui-ci. Donc diatonique, deux notes différentes entre l'ouverture et la fermeture, alors qu'en chromatique, deux systèmes d'accordéons différents, mais sous le même vocable, avec plutôt sur des musiques trad, régionalistes, et les chromatiques avec beaucoup plus de possibilités, avec toutes les notes chromatiques qui vont permettre de faire d'autres musiques. Donc à Tulle, on va étudier et fabriquer les accordéons de A à Z, donc sur la fabrication des carrosseries, qui sont en bois, peint ou pas. Donc un accordéon, c'est trois sous-ensembles, la main droite, ce qu'on appelle la main droite, qui est le clavier des mélodies, où l'accordéoniste va jouer la mélodie, un soufflet pour générer le vent, qui va faire vibrer les hanches libres, et la main gauche, qui va être le clavier de l'accompagnement. Donc on dit que l'accordéon est complet et complexe, parce que l'accordéoniste va jouer la mélodie et il va s'accompagner lui-même. Main droite, mélodie, et main gauche sur l'accompagnement. Et le principe de l'anche libre, c'est qu'on va générer le son avec des petites lamelles qu'on appelle des anches libres qui vont générer le son, qu'on va retrouver sous le clavier main droite et sous le clavier main gauche, positionné comme celui-ci. C'est ce qu'on appelle des sommiers qui vont porter les plaquettes de musique. On pourrait dire, si je regarde un sommier, si je démonte, si on regarde un sommier, on pourrait dire qu'on a un harmonica, donc l'accordéon c'est la même famille que l'harmonica. Et même l'accordéon, c'est une boîte d'harmonica, puisqu'on a plusieurs sommiers qui sont positionnés. Et au lieu de souffler avec la bouche, on va souffler avec le soufflet. En tirant ou en aspirant, on va faire jouer soit la lame que l'on voit ici, quand le vent va venir d'ici et sortir là, et inversement, quand il va rentrer ici, il va sortir là, derrière la peau. Donc les peaux, elles servent de rôle d'un clapet anti-retour. Ça ne dirige pas le vent, mais ça l'empêche de rentrer dans un sens ou dans l'autre. Et si on a, sur une même plaquette, si on a deux lames identiques, on va avoir un système chromatique. Et si on a deux lames différentes, on a un système diatonique. Et le fait d'appuyer sur les boutons, ça va fermer Ça va ouvrir entrées. Une porte, donc une soupape. On va laisser passer l'air ou pas. Ok. Donc on va avoir des systèmes. Voilà, et on va laisser passer l'air. Derrière la soupape. Okay. Quand on va avoir différentes configurations ergonomiques ou de forme et de décoration sur les accordéons, en plus de la personnalisation sur la partie accordage, donc en fonction de ce que veut faire l'accordéoniste. Suivant le répertoire que veut jouer l'accordéoniste, donc de la musique classique, du jazz, ou traditionnelle, ou musette, ainsi de suite, et on va pouvoir le régler et faire des configurations en fonction de la demande. Le réglage consiste en quoi? Qu'est-ce que vous avez fait de varier? Alors, c'est le principe des différentes voix. Donc on l'a représenté, un instrument à une voix. Quand j'aspire, c'est la lame que je vois qui va fonctionner. Quand je vais souffler, c'est la lame qui est derrière le cuir qui va se soulever, qui va fonctionner. Donc ça, c'est un instrument à une voix. Si je mets deux voix pour les musiques swing, pour les musiques
on a une lame qui est réglée juste, donc au diapason, et une lame, la même note, mais légèrement fausse. Ça permet de l'apercevoir. Si elles étaient toutes les deux justes, elles seraient à l'unisson, on aurait plus de volume, mais on ne percevrait pas. Donc, en jouant sur la fausseté de la deuxième lame, on va faire jouer différentes effectivement répertoires. Et si je vais sur 3, on va reconnaître ce qu'on appelle le son musette. Donc une voix, deux voix, trois voix. Après, la subtilité, c'est de trouver la bonne fausseté pour avoir le bon rendu en fonction de ce que veut faire l'accordoniste. Plus ou moins musette, plus ou moins vibrant, en sachant que tout est vibration. Mais on a l'impression que c'est une vibration, mais c'est deux lames qui vont vibrer à une fréquence légèrement différente. Alors ça peut être 2, 3, 4 voix, suivant les instruments, plus ou moins vibrants. Et quelques particularités sur les plus gros instruments, il y a des voix que l'on va enfermer dans une boîte de résonance pour, sur les bassons, où on va enfermer dans une boîte en aluminium maintenant pour faire encore un son plus rond. Et là, ce que je manipule ici avec des boutons, donc, ce que nous on appelle des registres, lui il les a derrière le clavier. Et discrètement, il va changer la configuration de l'instrument. Tous les boutons de la main gauche sont indépendants et c'est l'accordoniste qui va fabriquer lui-même ses accords. Donc il faut qu'il appuie sur trois boutons. Le même clavier à la main gauche qu'à la main droite en fait. Il fabrique lui-même ses accords. Il y a des registres aussi sur la main gauche. Il peut y avoir des registres sur la main gauche, il y a des configurations différentes. C'est pareil, parce qu'en fait à la main gauche, en fait, quand j'appuie sur une note, j'ai quatre lames qui vont jouer avec quatre octaves différentes en fait. Alors 4 sur ce mode-là, il peut y avoir 2, 3, 4, 7 suivant la composition de l'instrument. Et j'ai un registre qui enlève les voix graves. Donc après, suivant le morceau, suivant l'interprétation que je vais vouloir faire, je vais... Des répertoires joués différemment. Je vais prendre un autre instrument qui est composé totalement différemment au niveau des voix,
Donc en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les lames. Et qu'on a fait des accordés. Là, c'est l'accord dit musette, c'est l'accordéon musette, celui qu'on entend dans les bagues ou dans les guinguettes. Dans le monde, c'est l'inverse. C'est 90% des accordéons sont à touche piano. Donc les Asiatiques, l'Europe de l'Est, c'est encore, et même les États-Unis, c'est, et dans les films, vous voyez que des accordéons piano. Donc les Asiatiques commencent à se mettre au bouton maintenant de plus en plus. Mais bon, il y a tellement de différences. Donc 90% des accordéons dans le monde sont à palette de piano. Et l'avantage du bouton, c'est qu'il y a juste plus de possibilités, c'est ça ? Alors, l'avantage du bouton, c'est que quand ils montent la gamme, ils sont un peu entrelacés, alors que là, toutes les notes sont côte à côte. Donc, ça fait des instruments beaucoup plus longs. Et sur les... Celui-là a le même nombre de notes à la main droite que celui-ci, en fait, si on regarde. Mais celui-là, il a même deux de plus. Voilà. Là, toutes les notes sont côte à côte, alors que là, elles sont entrelacées, et il va monter la gamme en diagonale, ce qui fait que l'octave il est ici alors que là il va être là. Donc ça fait une configuration un peu différente. Donc il faut avoir des mains un peu plus longues pour aller chercher changer l'octave. Voilà, et ça présente un gros avantage, c'est que cet instrument il est très mathématique en fait. Pourquoi tu rentres pas ? C'est qu'en fait, une grande particularité qui est très appréciée chez les musiciens, c'est que c'est un instrument transpositeur, c'est-à-dire que pour démarrer ma gamme de Do, si je décale d'un bouton vers le bas, je vais le démarrer sur un Do, je vais démarrer sur un Mi bémol, je vais monter ma gamme de Mi bémol exactement de la même manière. Donc pour ceux qui ont fait un peu de musique, ça évite par rapport à un piano de calculer où sont les dièses et les bémols. Et même chose si je décale dans les autres sens, c'est pour ça que celui-là il a 5 rangs en fait. Si vous regardez, le 4e rang c'est la répétition du premier, et le 5e la répétition du deuxième. Donc même chose, au lieu de démarrer sur un Do, si je démarre sur un Ré, en reproduisant le même geste avec ma main gauche, et j'ai transposé le morceau sans avoir besoin d'entre guillemets de réfléchir. Donc c'est un gros avantage de cet instrument-là, c'est qu'on transpose très facilement. Et par rapport au piano, donc en fait, voyez-moi qu'il y a des petites mains ici, je fais une étendue d'une octave. Si je prenais un modèle à touche piano, je serais là. Donc ça, voilà, c'est comme tout, c'est une question de tradition et de pratique. Les gens ont l'habitude de jouer des accordéons à touche piano et vice versa. Donc c'est vraiment une question de tradition. Appuie sur le bouton. Quand tu vas appuyer sur le bouton. L'histoire, donc, l'accordéon, il est né à Vienne, en Autriche, en 1829. Donc ici, on a une reproduction du premier accordéon, donc le premier modèle déposé par Cyril Demian à Vienne. Donc lui, en fait, il avait l'idée d'insérer des lames en acier, donc des hanches libres. Et donc, il avait mis plusieurs hanches et il faisait des accords. Accordéon. Et en fait, il
il avait écrit d'abord 5 notes, et donc l'instrument se jouait comme ça. Et donc c'était les dames de la noblesse autrichienne qui s'accompagnaient au chant avec ce genre d'instrument en fait. Donc ensuite il a évolué, donc ça c'est 1829, au fil du 19e siècle, il a évolué vers des systèmes comme ça, qui là du coup, au lieu d'avoir des accords préconçus, on retrouvait le même principe que les notes de piano en fait. Et donc là, on pouvait choisir de composer ses propres accords, on pouvait faire les propres accords soi-même en fait. Et un peu plus tard, donc, les Italiens ont eu l'idée, entre guillemets, de réunir les deux systèmes, donc en gardant à la main droite des notes seules et reprendre le système des accords à la main gauche. C'est comme ça que voilà, l'accordéon il a évolué jusqu'à être à la forme qu'il a aujourd'hui. Donc, du fait que les accords étaient déjà préétablis, on est limité, il y a des accords qu'on ne peut pas faire puisque les accords sont déjà préétablis. Donc même en combinant des accords, on ne peut pas faire tous les accords. Donc à cause de ça, l'accordéon n'était pas admis au conservatoire. Donc c'est pour ça que dans les années 80, on a inventé ce genre de système-là. Donc avec ce qu'on appelle le déclencheur à la main gauche. Établi et en appuyant sur le petit bouton, je vais basculer avec le clavier comme à la main droite, ce qui fait que là du coup je peux faire les accords comme je veux en fait. Et donc c'est cet instrument là qui est rentré au conservatoire. Donc le premier accordéon au conservatoire c'est à Tulsa en 1984, donc ça reste très récent. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'accordéon c'est quand même un instrument relativement récent. Si on regarde par rapport à tous les instruments, que ce soit le piano, le violon, etc., la guitare, c'est un des instruments les plus récents. Voilà un petit peu pour la partie technique. Le son, la volume du son, c'est pas. Alors, il va être lié à la pression que je vais mettre dans le soufflet. En fait, plus je vais tirer fort. Mais par contre, après, si je viens à tirer trop fort, la lame elle va se plier, ça va beaucoup, ça va beaucoup. Ça fait moduler le son. C'est vraiment lié à la pression qu'on va mettre en ce point. Des questions, n'hésitez pas. Alors, plusieurs choses. La première, c'est pour des questions techniques en fait. S'il y a des positions, par exemple, si j'avais les doigts. On peut très bien jouer avec trois mains, sauf que je vais avoir des positions de la main. Si je fais un accord majeur où je suis comme ça, où c'est pas du tout. Alors qu'on a un rapport avec la quatrième rangée, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que si je veux transposer, je veux décaler, hop, je peux transposer avec la quatrième rangée. Mais c'est essentiellement pour tous les accordéons aujourd'hui ont minimum 4 rangs. Parce qu'il y a des positions de doigté sur trois rangs qui sont très compliquées à jouer. Et puis après, il y a certains morceaux qui sont très compliqués. On fait des morceaux un peu complexes. Après, il faut se tordre la main. Donc c'est plus facile d'aller attraper une note sur le quatrième rang que sur le premier, etc. C'est vraiment pour des questions plus de technique et de technique de jeu. Ah, alors ça c'est un débat, je n'irai pas dire idéologique, mais après, voilà, ça c'est. Et après, il y a des très bons musiciens qui le jouent sans le pouce, et il y en a d'autres qui le mettent beaucoup. Après, ça, c'est comme tout. Le pouce, il a un gros avantage, c'est qu'il a une facilité de déplacement vertical très rapide, contrairement aux autres doigts. Et il permet de reprendre la position pour certains cas. Mais après, voilà, il y a les pour et les contre, c'est comme tout. Mais après, ça, on les réconciliera jamais. Mais après, voilà, c'est le tout. C'est que chacun trouve le système, la position avec laquelle il est plus à l'aise. Il y en a qui. Il y a des musiciens, notamment Joey Rossi, qui a accompagné les plus grands chanteurs, Barbara et d'autres, etc. Lui, il avait même trois doigts, il jouait quasiment avec trois doigts. Il a trois doigts qui étaient amputés, il jouait qu'avec trois doigts. Et il jouait. C'est vrai qu'on apprend sans les pouces, après. Ah ben, enfin, ça dépend aujourd'hui. Maintenant, oui. Oui, maintenant, il y a beaucoup de méthodes qui sont faites avec le pouce. Mais après, voilà, il y en a qui le mettent un peu partout et d'autres qui le mettent un peu moins. Après, ça reste, ça c'est un peu chaque professeur qui va avoir sa pédagogie. Quoi. Là, après, il n'y a pas de. Et ça, c'est pas ça qui empêchera de bien jouer ou pas. Ça reste vraiment.
Et c'est combien de pièces alors à assembler à l'accordéon? Alors ça va, ça peut varier entre 3500 et un instrument comme ça, il y a plus de 8000 pièces à assembler. Notamment, voilà, si vous regardez un petit peu au niveau, vous voyez, du clavier déjà, ce qu'on appelle le peigne en fait. Vous avez un axe sur lequel sont insérées les touches les unes après les autres, des ressorts, des entretoises, des petites. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on joue. Donc celui-ci a 4 ans, donc quand c'est un cinquième rang, ça rajoute encore une deuxième. Oui, parce qu'en fait, ça vient chercher la même note plus loin. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a un rappel mécanique, en fait. Ici, on a les touches, en fait, il y a ce qu'on appelle... C'est le plus costaud. Là, c'est... Ah, allez, d'accord. Je parle du mot d'entretoise, là, c'est qui vient relier les deux touches, en fait. Non, mais c'est pas diffusé. Et le registre, quand vous changez, ça va... Alors, mécaniquement thank you.
Thank you.
Thank you.